Bonjour. C'est au Pristoxis. Et là, je me cache, puisque tout à l'heure, il y avait des méchants qui me poursuivaient. C'est pour ça aussi que j'essaie de parler tout bas, tout bizarre. Bon. Je pense qu'ils sont partis. Y'a moyen, ouais. Y'a moyen qu'ils soient partis. Bon, je pense que... Ouais, c'est bon. C'est bon, je pense que je peux reparler normalement. Alors, donc... pourquoi je suis ici? Eh ben, pour un nouveau papyrus. Tout simplement. Pour un nouveau papyrus. Alors. Donc, bah, on va commencer directement. Hein. Ouais, c'est bon, il n'y a plus personne. Bon. Alors. Donc, c'est dans ce bâtiment-là. Comment il s'appelle déjà ce bâtiment-là? Il n'y a pas son nom. Le truc. Voilà, ce sera plus simple. Oh! Bah, nickel. J'ai même pas besoin de chercher. Donc, ce bâtiment-là qui s'appelle le truc. Eh oui, regardez. J'ai pas eu dans les flammes de l'enfer. C'est stylé quand même. Hein. Lolololo. Il panique même pas, hein, le bonhomme. Tranquille. Bon. Bon, c'est un temple, hein. Comme tous les autres. Je sais pas son nom. Là, on va regarder sur la carte. Il y a peut-être son nom. Ah bah c'est ça. C'est... Iseon. Iseon. Le temple Iseon ou le truc Iseon. Bon, alors. Silence assourdissant. Alexandrie. Alexandrie est vaste et bruyante. Vaste et bruyante, vaste. Mais une partie de la ville est calme, solitaire et entourée d'eau. Donc c'est l'endroit où je suis. Enfin, je pense. Le palmier abattu pointe dans ma direction, là où la terre rencontre l'eau. Oh. Enfin, il y a certains temples où ça fait le bordel. Donc, ça c'est Alexandrie, le truc bruyant et tout. Donc, ouais, la zone calme, c'est là. Donc, c'est quoi ensuite? Il y a un palmier qui pointe dans la direction du truc. Solitaire et entouré d'eau, le palmier abattu pointe dans ma direction. Là où la terre rencontre l'eau. Ouais, mais en même temps, donc c'est sur le bord de mer. Ah, c'est sur le bord. Bon, on va sortir le nain-aigle. Palmier abattu, où es-tu? Je pense pas que ce soit au niveau du phare. Parce que j'ai pas envie. Oh! Palmier abattu. Pointe dans ma direction, là où la terre rencontre l'eau. Ah bah j'ai envie de dire là. Ah bah si c'est ça, celui-là il était vraiment pas compliqué. Aïe! Ah ouais, attends, vous pouvez regarder. Non, pas le... Bon, ouais, bouge pas.
J'ai pas de chaussures. Bah ouais, hein, du coup, forcément, les sauts, ça fait mal. Aïe, ouh, ah, ouh, ah, aïe, ouh, ouh. Et encore, je te dis pas quand je marche sur un palmier. Hein. Ouh, aïe, aïe, ouh, ouh, aïe, aïe, ouh, ouh, aïe, 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 ouh, 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 aïe. Donc le palmier pointe dans ma direction, là où la terre rencontre l'eau. J'ai l'impression que je passe à côté. Non mais... Non mais... Oh. On va réutiliser le nègle. Ça se trouve, il y en a plusieurs des paniers. Des paniers. Des palmiers abattus. Hein. Sur la plage. C'est une plage, ça. Ça doit être là, ça doit être quelque part là. Ça très vague comme information. Eh, on le voit le palmier abattu. Je trouve ça tellement vague comme information. Et c'est quoi le nom déjà de la quête? Ça peut aider des fois. Silence assourdissant. Alexandrie est vaste et puissante, et puissante et bruyante, mais une partie de la ville est calme, solitaire et entourée d'eau. Palmier abattu pointe dans ma direction, là où la terre rencontre l'eau. Je suis en train de réfléchir à s'il n'y a pas un autre endroit par hasard dans Alexandrie. Calme, solitaire et entouré d'eau. Là, ça pourrait être un des autres endroits. Parce que j'étais en train de réfléchir, mais là, c'est pas vraiment dans la ville, non? À moins que ce soit là. On va aller faire un tour en... En pigeon. On sait jamais, hein. Malgré que je pense que c'est où je suis. Ah bah oui. Palmier abattu. Bah tu sais quoi, ça doit être loin. Entouré d'eau. Parce que même si je suis entouré d'eau, il y a quand même un pont. Du coup, je sais pas si dans la définition de presqu'île. Ah, une île qui est. Est-ce qu'un une île sur lequel on construit un pont pour relier les deux terres se transforme en presqu'île. Comme dans les ronds, par exemple.
Ouais. Faudrait qu'ils mettent des bacs, des barques pneumatiques là, des je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Bateau gonflable, tout simplement. Merci Jaco. Vas-y, si tu viens pour me donner ton bateau, donne-moi ton bateau. Comment je l'ai poussé? Ah non, madame, j'entends un bruit. Je vois un truc. Mais serait-ce ça? Eh ouais! Papyrus résolu. Niveau 18. Un nouvel arc. Bon. Donc voilà. C'était Adopérus Toxines. Pour vous servir. Et je vous dis, à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Mais être franc, je pense qu'elle risque d'être... là. Ouais, à mon avis, elle sera là. Il est beau, hein, le fer de Alexandrie. Allez, Zoubé, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.